prochaine occasion. Et puis si vous avez d'autres. Ok. Ok, ciao. Je sens ça. Bonsoir. Ça va, vous le collez. C'est ta question. Vous avez une pierre? Bonjour. Tu as un bon ticket, tu vois? Alors, vous commencez à quelle heure? Vous allez commencer? Pas encore, on attend. Thank you.
Talankembo ya bandimi, Talankembo ya bandimi et Bélémi. Au nom du Père, qui, Papa, qui se loquelo loquelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, Salomon, le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu, trois fois disposé sur terre, dans sa nature première, 1887, le 12 septembre, dans sa seconde disposition, 22 mars 1918, Tata Kurtima Diengienda, et tel qu'il est actuellement le patron de la quatrième et dernière génération, Fumwa Longo, Fumwa Dibundu, Tata Nkwatu Lendo, Mwanda Ludi Wavelila, sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le samedi, lendemain du 12, on est donc le 13 avril, l'an 2019. Je dis bien lendemain du 12 parce que je voulais spécifier la journée d'hier où nous étions le 12 avril, comme qui dirait en Kimbangumuna, un 7 de Kintombo en l'année, en l'an 98. L'équivalent dans le mode calendrier chrétien catholicos, donc le mode grégorien, le calcul du pape Grégoire, c'est-à-dire l'équivalent du 12 avril 2019. Mais nous, dans le mode calendaire de Tata Kimbangu, qui est donc le Kimbangu Muna, dans la nouvelle civilisation, nous étions hier le 7 du mois de Kintombo, le premier mois de l'année, 98. Et là, aujourd'hui, on est le 8 du mois de Kintombo, en l'année 98 évidemment. Et le jour, on est un samedi. Le samedi, ce n'est pas la divination, comme qui dirait ce qu'on appelle la zoologie, comme qui dirait les signes zodiacales, mais plutôt pas ce qu'on appelle l'astrologie, parce que dans le mode calendaire, qui est actuellement, quand disons lundi, nous faisons allusion aux planètes. Lundi, c'est lune des, donc la lune. Mardi, c'est Mars, mercredi c'est Mercure, Mercury's Day, jeudi c'est Jupiter, hein? Vendredi c'est Venus Day, vendredi Venus, et le samedi Saturne, voyez-vous, et le dimanche c'est Dominicus Day, donc le 5 Day. Mais nous, dans le mode calendrier Tata Kimbangu, dans le trois quarts du Pakou Mungu Pelekete, eh ben, nous avons ce qu'on appelle dans notre cosmogonie Congo, le lundi c'est Mpanga, mardi c'est Msona, mercredi c'est Mbasa, jeudi c'est Nkenge, vendredi c'est Konzo, et aujourd'hui samedi Saturne Day, Saturne. Nous sommes aujourd'hui un qu'on appelle Nkandu, et demain le jour où nous allons rendre gloire à la Trinité Céleste, Papa Simon, donc Papa Simon de Mangou Kiangani, c'est le date, le jour qu'on appelle le Ndélé. Mais j'ai... Excusez-moi, mes chers amis, je viens en face de vous, comme les usages dans le cadre de notre exercice de communication, le média qui... le média, donc le multimédia Takimbangu, en tant que messager pour une évolution divinement inspirée des actions de Takimbangu, vous avez vu tout à l'heure, à l'entrée de mon intervention, excusez-moi, j'ai pu pleurer, j'étais avec nos amis du groupe théâtral Kimbanguiste. J'étais qui? Excusez-moi. La communication aujourd'hui est un peu spéciale parce que mon corps est un peu dérangé. Je vous ai parlé depuis le début de la semaine de ce document de Dieu le Père. Tata Kisokele Lukelo. Je vous le montrer. C'est mon modèle politique parce que moi je vous ai toujours dit que je suis un politique. Je suis un modèle politique. Et je me suis procuré ce document-là, écrit par le patriarche Ndinga Aaron Kinsukulu, le neveu donc du papa Kisokele Lukelo Charles,
ce document-là. Nza ambi. Ouassé. T'as attaqué sur lequel Dieu le Père. Ce document-là. C'est celui que je me suis procuré. Ici, il relate les événements de notre Dieu le Père. Dieu le Père, le Melchizedek, le roi de Salem. Celui qui a fait que la matière soit. Celui qui a dit que cela soit et cela fut. Et oui, c'est Tata qui soloke le louke le char. C'est mon modèle politique. Parce que je te dis que je suis un modèle, je suis un gros de foi. Donc, Dia Congo, Wenda Kubatele, messager africain, divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matière d'ordre universel. Et j'aimerais bien, grâce à ce travail d'un contemporain de Tata Kisoro Lukelo, vous faire état de ce document d'information sur la vie de Tata Kisoro Lukelo, de son séjour quand tu nous as visité sur Terre entre le 12 février 1914 et le 17 mars 1992, autrement dit 92. J'ai été arrêté dans ce document à la page 63. Non, ce n'est pas 63, plutôt le chapitre 3, verset 3. Papa Kisoro Kele me transmet la Bible. Ça, c'est Papa Aaron Zinga Kinsukou, le patriarche, qui parle. Pendant que je me trouvais toujours à ses côtés, Papa Charles Kisoro Kele m'avait donné la Bible pour enseigner aux enfants de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire les fidèles kimbanguistes et tous ceux qui auront le désir de découvrir Papa Simon Kimbangu. Alors qu'on se trouvait en Kamba pendant la période dite de 5 mois, je fus invité par Papa Kisoro Kele Lukelo, Charles, un jour, sans que je ne le sache, il avait aussi invité les enfants de Papa Dialungana et ceux de Papa Dianguienda et ses propres enfants qui, en ce moment-là, se trouvaient en Kamba. La causerie avait eu lieu en présence de sa femme Mama Pauline Nzalulu à Kanda. En présence de tout le monde, Papa Charles Kisoro Kele m'avait tendu la Bible et m'avait dit: Tata Pasteur, voici mes enfants, c'est-à-dire enfants de Papa Dialungana, ceux de Papa Dianguienda et ses propres enfants à lui. Prenez-les avec vous dans la cave de ma résidence pour leur enseigner la parole de Dieu. En priorité, vous allez leur donner l'historique du prophète Élie. Ensuite, vous leur direz les raisons qui m'avaient poussé d'avoir tous ces enfants avec trois mamans, comme Abraham les avait eus avec trois femmes. Et vous prendrez le soin de demander à tous mes enfants ici présents ceux qui sont réellement les enfants parmi nous et s'ils ont la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Félicitations. Donc Papa Kisoro Kele s'adressait ainsi à Papa Nzinga Kisukun, Aaron, le patriarche. Pour terminer, Papa Kisoro Kele Lukelo dira: Papa Pasteur, je vous prie de bien vouloir enseigner la parole de Dieu à Luki, à Lubanzi, la Dio Firmin. Pendant que Papa Charles Kisoro Kele s'adressait à moi, Papa Poati, époux de Maman Micheline Kiaku Kisoro Kele, fille de Papa Kisoro Kele, était là avec nous.
Mais au moment où il fallait aller dans la cave pour informer et former les enfants, papa Poiti, notre beau-père, voulait lui aussi aller avec nous. Mais papa Charles Kisolo-Kilo l'avait appelé à côté et lui avait tenu ce langage. Vous êtes mon beau-fils. Vous ne pouvez pas aller avec eux dans la cave. Moi, Charles Kisolo-Kele, j'envoie Aaron Zinga, mon neveu, pour aller instruire mes enfants. Mais pas vous. Je le fais en connaissance de cause. Non content de la réponse que papa Charles Kisolo-Kele-Lukelo l'avait donné, le beau-fils Poiti courut vite chez papa Joseph Dieng Yenda pour accuser papa Charles Kisolo-Kele. Il lui dira tout ce qu'il avait entendu de la part de papa Kisolo-Kele. La réaction de papa Joseph Dieng Yenda ne s'était pas fait attendre. Il chassera carrément le beau-fils Poiti de sa face et lui dira: tout ce que mon grand frère est en train de faire est correct, car nous nous sommes entendus de cette manière-là. Il le fait en parfaite harmonie avec nous, donc il n'y a aucune confusion possible. Pour parvenir à ma causerie familiale avec les enfants dans la cave, j'avais donné des enseignements tels que papa Charles Kisolo-Kele me l'avait demandé et recommandé. Je leur avais lu le texte biblique sur les enfants d'Élie. Les enfants d'Élie avaient refusé d'écouter les recommandations de leur papa. En fait, ce récit biblique racontait que les enfants d'Élie avaient défié la parole sacrée de leur père. Ces enfants avaient considéré le patrimoine appartenant à Dieu, à l'Église, comme leur propre patrimoine. Puis, ils prenaient les femmes qui venaient prier comme leurs propres femmes. C'est le livre de Samuel 3, verset 12. Je crois que c'est 1 Samuel, chapitre 3, verset 12. En fait, ils avaient désacralisé, donc profané, le temple de Dieu et forniqué les femmes qui venaient pour les prières. Parce qu'il était Zumba, qui n'a dit qu'un père, parce qu'il n'y a qu'un. De ce fait, ils avaient souillé l'honneur de leur père, le prophète Élie. Je suis allé encore plus loin pour leur parler de l'histoire du patriarche Abraham. Le chapitre consacré à cet effet explique comment le patriarche Abraham avait eu des enfants avec trois femmes. C'est dans le livre du commencement, dit Genèse, chapitre 12, 16 à 25. Finalement, je les avais instruits de la manière dont ils devaient se comporter dans la société en tant que petit-fils et petite-fille de papa Simon Kimbangu Ier et en tant que Kimbanguiste et non Kimbanguiste. Je dis bien Kimbanguiste et non Kimbanguiste. Car ils avaient une culture, une éthique spirituelle et morale Kimbanguiste à vulgariser. Donc, je les avais démontré comment ils devaient se conduire, se comporter pour mériter et hériter le royaume des cieux. Parce que ce n'est pas par le fait d'être petit-fils ou petite-fille de papa Simon Kimbangu Ier
qu'on hérite automatiquement le royaume des cieux. Ce dernier, donc le royaume, doit se mériter. Se mérite donc. C'est un travail d'abord individuel, puis collectif au sein de l'Église, donc l'institution spirituelle. Ainsi, à partir de l'épître de Samuel 3, verset 12, je leur avais expliqué l'historique des enfants d'Abraham et aussi le type d'enfant qui peut hériter le royaume des cieux. Sur cette même lancée, avais-je expliqué sincèrement à Papa Firmin, Luki Bandiladio, l'importance de cet enseignement pour sa vie, pour celle de toute la famille, comme l'avait demandé leur père, donc Tata Kisolokele Lukelo Charles, le Dieu juge, Daniel. En 1991, tout le monde dit 91, Papa Charles Daniel Kisolokele Lukelo m'avait appelé pour une seconde fois chez lui, à sa maison, à Ngombe, à Gombe, à Kinshasa. Et ce, après l'étape de Nkamba. Lors de nos entretiens, il me dira ce qui suit. Écoutez bien, Dieu le Père parle. Toi. Aujourd'hui, vous passez la nuit chez moi, ici à Gombe. Demain, dans la matinée, nous aurons à nous entretenir. Le matin suivant, après le culte matinal, Papa Charles Kisolokele Lukelo m'invita alors de m'asseoir au salon d'honneur et avait pris la parole en ces termes. Là, c'est Papa Dieu le Père, le roi de Salem, celui qui a donné les lois à Moïse, celui qui est le structurant de notre corps, le potier qui a malaxé la terre pour nous façonner sur la place du 3 février 1989, autrement dit place du 22 mars à Nkamba, dite la place de la carte d'Afrique. Papa qui sur lequel Dieu le Père parle. Aaron, c'est moi qui vous ai fait venir ici pour vous confier ce que j'ai au fond de mon cœur. Mes jours sont à compter. Vu mon âge et la nature de ma mission divine, d'ici peu, je veux devoir vous quitter. Le moment est venu pour moi d'aller rejoindre mon médecin en Europe pour mon contrôle sanitaire de routine. Vous devez vous mettre dans vos têtes que j'ai des problèmes financiers. Mon fils, Solokele, que j'ai confié au président Mobutu pour être ministre à ma place, ne m'apporte aucun soutien financier. Donc, je ne suis pas soutenu du tout. Je ferme les guillemets. Papa Kisolokele parle ainsi à son neveu Aaron Zinga Kinsukulu. Comme on peut l'observer, donc ça c'est le propos relaté dans ce document. Papa Aaron Zinga Kinsukulu, le patriarche, continue. Comme on peut l'observer, quand vous voyez un papa un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'avais un appel. Alors, donc, je disais tantôt que, comme on peut l'observer, quand vous voyez un papa malade avancer de tels propos, ce n'est pas de la bénédiction. À cette même occasion, Papa Charles Kisolokele Lukelo m'avait parlé du comportement déroutant de chacun de ses fils
avec un accent particulier sur le comportement de son fils Firmin. J'étais vraiment très consterné. Après l'entretien, il était entré dans sa chambre pour ressortir avec deux billets d'avion et me dira: papa qui sur lequel on parle, Dieu le Père, le potier structurant l'homme sur terre, Adam, donc notre ancêtre premier, donc celui qui a fait que nous soyons physiquement tels qu'on sommes. Il dit ceci: ces deux billets d'avion me sont payés par papa Nombasi Kongo. Bien que je sois en possession de ces billets, cependant, je manque d'argent pour payer mon hôtel et mes frais de soins médicaux. Donc, je ne dispose pas d'assez de ressources financières pour survivre pendant mes soins en Europe. Et là, papa Nzinga continue. Vous voyez, j'insiste sur le fait que quand un papa se lamente de cette manière, même s'il ne dit pas du mal de ses enfants, ces derniers doivent comprendre que ce n'est pas un signe de bénédiction. Donc, ils devaient changer impérativement le comportement. Mais hélas, il n'est pas trop tard dans la vie. Puis, il va renchérir en ces termes: Dieu le Père, Tata qui sur lequel Charles nous parle, il dit ceci: Aaron, papa Joseph Dienguienda est venu chez moi et je lui ai expliqué mes souffrances et toute ma situation déplorable. Vu la portée inquiétante de la situation, il m'a proposé alors d'organiser une collecte au niveau de l'église afin d'avoir un peu d'art, un peu de ressources financières me permettant d'aller me faire soigner en Europe. J'ai dit à mon petit frère de ne pas essayer, car l'argent de l'église n'est ni mon argent, ni celui de papa Kiangani. Cet argent appartient à la communauté ecclésiastique kimbonguiste. Et c'est l'église qui peut prendre une telle décision. Mais moi, je ne peux pas faire une telle chose. Et même si l'église décidait ainsi, je vais m'en abstenir. L'argent de la communauté est là pour bâtir l'église de mon père, Simon, papa Simon Kimbangu. Mais attention, il y a une exception pour que l'argent de l'église puisse être mis à notre service. Papa Charles Kisolokelo poursuit en ces termes: moi, Kisolokelo, je suis très heureux d'utiliser les finances de l'église uniquement à l'occasion des diverses missions effectuées pour le compte de celle-ci, telles que les visites pastorales auprès des fidèles sur invitation, bien sûr. En ce moment, ma prise en charge est bien couverte en logement, carburant pour mes divers déplacements, mon alimentation et autres. Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein, je suis désolé parce que je suis en pleine communication, mais les gens m'interviennent, m'aident un peu à certains noms de choses. Donc moi, papa qui sur le télé Charles, je suis très heureux d'utiliser les finances de l'église
uniquement à l'occasion des diverses missions effectuées pour le compte de celle-ci, telles les visites pastorales auprès des fidèles, sur invitation, bien sûr. En ce moment, ma prise en charge est bien couverte en logement, carburant, pour mes divers déplacements. Mon alimentation est autre. Ceci est acceptable parce que je suis en mission de l'église. Mais si pour mes soins en Europe et autres besoins personnels, je ne peux pas accepter. Pour ce cas précis, je ne partage pas ce point de vue. Si c'est pour une action collective, oui. Mais pour une action d'intérêt personnel, non. Je gagne un peu d'argent à la fin de chaque année. Ce sont les bénéfices de mes actions placées dans diverses sociétés dans lesquelles je suis actionnaire. Cependant, à cet instant, je suis à court d'argent. Je n'ai pas assez d'argent pour effectuer mon voyage en Europe. J'allais déjà quitter ce monde, mais Mama Mwilukia Wanga m'avait rendu de nouveau la vie. Aaron, retenez-le bien. Je n'ai plus envie de vivre encore longtemps dans ce monde. Ça, c'est les propos de celui qui a fait que nous nous soyons. Tata Kisolokele Lukelo Charles, qu'on appelle plus tard de Daniel, c'est-à-dire le Dieu juge. En fait, c'est une manière déguisée pour lui, ça c'est Papa Aaron qui parle de nouveau dans son livre, dans ce récit, de m'annoncer sa prochaine transfiguration. Il a écrit mort, mais moi le mot mort ne me correspond pas. Je dis bien transfiguration pour prendre une autre forme physique. Ainsi, Papa Charles Kisolokele rendit l'âme le 17 mars 1992, autrement dit 92. En réalité, ces paroles étaient comme un testament pour moi, car elles annonçaient ce qui allait se passer plus tard dans l'église et dans sa vie. Surtout les faits liés au comportement de ses enfants et des fidèles kimbonguistes. Car ce comportement égoïste, a conduit ses enfants à la dissidence et les fidèles kimbonguistes à la mauvaise gestion des finances de l'église. C'était le Média qui, en ce jour, il est exactement 15h sur la place de Paris. Je dois rentrer en prière. Je vous laisse. Merci pour votre disposition et j'espère trouver une autre occasion. Et si Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre patron, Dieu le Saint-Esprit, notre Père, ne le permettra, pour venir vous relater le chapitre 4 où il est état ici de Papa Charles Daniel Kisolokele-Lukelo, donc mon modèle politique, et l'indépendance du Congo. Voilà mes amis, j'ai sa divinité, Tata Kimbangu, c'est lui, Kontima, c'est lui, Kimbangu, c'est lui, Kiangani. À très bientôt mes amis, merci et au revoir. C'est toi mon ami. Sa divinité, Tata Simon Kimbangu. À bientôt mes amis. Au revoir. C'est toi mon ami.